There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire regained. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is no one. Et yo tout le monde, c'est UnderXL, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Direwolf. Alors aujourd'hui dans cet épisode, c'est déjà la deuxième fois que je tourne, parce que le gros de l'épisode il est déjà tourné entre guillemets, mais ça ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui j'ai un peu marre de cette base en fait, je l'ai faite, elle est chouette, ça y a aucun souci, vous pouvez déjà voir que j'ai enlevé le junk loader qui se trouvait ici. Elle est chouette, tout ce qu'on veut, mais le souci, c'est que, voilà, pour l'instant, c'est juste un trou, j'ai eu la flemme de décorer. Ça, je transférerai tout plus tard dans la base quand ce sera nécessaire, enfin, dans la nouvelle base, vu qu'elle est déjà faite, vu que j'ai eu des problèmes pour record, Enfin ici ça se voit pas, en fait ça s'est fait à l'endroit de l'ancienne query. Donc on va passer justement à cet endroit pour que vous voyez de quoi je vous parle. Et re les gens, donc on se retrouve de nouveau dans la petite zone. Donc vous reconnaissez ou vous reconnaissez pas, c'est pas grave. Et c'est la zone de la query où je l'avais déposée, la query était juste là. Et elle a fait un trou. Et j'avais pas envie de reboucher justement ce trou. Donc l'ancienne base se trouve là-bas. Je sais pas si on pourra la voir, peut-être de côté comme ça. De côté on la voit très légèrement. Je sais pas si vous le verrez. Et là dans ce trou, c'est un trou assez sombre. Bon, YouTube va sûrement encore plus me l'assombrir. Et je vois que j'ai pas éclairé ici. Et quand on va vraiment tout dans le fond, j'ai déjà commencé à faire un petit quelque chose. Donc ce petit quelque chose, c'est une petite usine à nourriture. Donc comme vous pouvez voir, ça a cuiré à nourriture. Donc c'est la fameuse usine à vaches que je voulais faire. Je l'ai fait vraiment au plus profond, comme ça je m'ennuie pas. Donc la base, le nouveau pattern dans les sous-sols, je précise, parce que sur le dessus ça risque sûrement pas d'être comme ça. Ah ouais, j'ai été vraiment vidé là. Ah ouais, j'ai vraiment plus rien. L'usine à vache, elle pompe tout. Je ferai sûrement ça, encore une fois ça au deuxième étage. Juste là, avec d'autres trucs en même temps. Comme ça, je serai pas trop ennuyé. J'aurai plus de loot. Donc, ça, ce sera le pattern. Dites-moi si ça vous plaît. Si vous avez des idées, si vous connaissez le mode. Donc, tout simplement, j'ai pris de la woolen clay. Donc j'ai oublié le craft, vu que ça fait à peu près 2 heures que j'ai tourné et que un craft je l'oublie assez rapidement. Donc là je me dis que ça produit quand même pas mal de mob essence, mais je préfère avoir une réserve parce que sans réserve, tout simplement ça ne tourne plus. J'ai fait une solution d'énergie provisoire, ça se trouve quelque part par là. Je vais pas vous le montrer vu que c'est un truc vraiment provisoire. Donc ici, donc on a de la Dark Glass. Derrière, on a de la Cursed Earth. Donc c'est une terre spéciale qui, dans le noir, fait spawner des mobs en masse, tout simplement. Donc là, ils sont plus ou moins attirés. Le Grinder ne sait pas vraiment la voir, mais quand il va se déplacer dans une autre zone, il va être tué. Et comme vous pouvez le voir, ça a déjà pas mal produit de choses. Vraiment pas mal. Donc ici j'ai fait vraiment un buffer. J'ai fait encore avec des vieux hoppers vu que j'avais pas mal de fer en rab et je savais pas encore quoi en faire de ce fer. Donc vous pouvez voir, j'ai des splash potions, j'ai vraiment de tout. J'ai des bots, je me demande s'il n'existe pas un truc pour désenchanter. Je regarde. Uncrafting table, non. Non. Non, apparemment, il n'y a pas de choses pour désenchanter. Ce n'est pas grave. Bon, il y a quand même eu 2-3 petits bons loot. Genre je pourrais fusionner ça avec ça, comme ça je suis tranquille. Les arcs en plus pour réparer.
J'ai eu... Ah, ça c'est intéressant par contre. Ça je prends. J'ai pas eu vraiment de gros loot, mais c'est déjà assez bien. Donc ensuite, on va aller derrière. On va passer par là. Parce que la woolen clé, c'est assez relou à casser. Hop. Voilà. Donc ça, c'est notre petit passage pour l'instant. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe derrière. Donc derrière, on a juste un petit mob grinder qui donne toute sa mob essence. C'est alimenté par en dessous. J'ai tout alimenté par en dessous, sauf au niveau du spawner, enfin de l'auto-spawner. Donc, tout est donné dans un iron tank. Donc j'ai pris vraiment un gros iron tank, c'est quand même un fameux buffer. Donc par ce tuyau là, ça monte au-dessus de l'iron tank. L'iron donc tout se déverse et ça ressort par ici. Là il y a une vache qui s'est fait tuer. Une vache qui s'est fait tuer, bon c'est pas grave, ça arrivera qu'il y a des vaches qui spawnent en dehors. Et à chaque fois qu'il y a une vache qui meurt, bah, ça redonne aussi à l'intérieur. Comme ça. On a quand même une fameuse dose. D'ailleurs, elle s'est barrée par là. Voilà, pas grave. Je la tuerai une autre fois. Ça fera un peu plus de nourriture. J'ai vidé ici tout ce qu'il y avait. C'était juste un gros lac de lave ici. Donc ça m'a pris pas mal de temps, mais j'avais crafté une pompe qui m'aidait dans ce que je faisais. Et j'ai aussi... Je ne l'avais pas encore vu lui. J'ai encore aussi miné pas mal de diams, forcément, avec tout ce que j'ai découvert là en dessous. Enfin, j'en ai déjà ramené à l'ancienne base, vu qu'ici, bah, j'ai déjà tout ce qui est nourriture. Ça lag par moment, ça c'est quand les fours s'activent, quand je suis vraiment dans la zone. J'essaierai de plus mettre trop de choses qui consomment vraiment un max. Ça consomme pas trop, donc ça passe. Ici, à ce niveau-ci, ça consomme pas trop, donc il y a 3 grinders, même si un seul suffirait. Ensuite, c'est sorti directement, donc on va passer au-dessus, ce sera plus simple. Hop, ici quelque part, voilà. Donc on trouve déjà 2-3 petits trucs. Donc ici, les loots arrivent, ils passent dans le trieur, le cuir s'en va directement. Le reste va dans le four et ensuite tout est évacué. Donc directement ici, j'ai fait 3 lignes distinctes, comme ça s'entremêle pas et je suis pas obligé d'utiliser des trucs d'iron à chaque fois. Ce sera nettement plus simple. Hop. D'ailleurs, j'envoie tout ici. Est pas terrible. Hop, normalement c'est comme ça. Je sais plus. Ouais, c'est pas grave. Je regarderai à ça plus tard. Donc, hop, la viande vient ici. Ah ouais, voilà. Et ici, s'en va directement dans les autres. Donc, j'ai pris des golden transfer pipe, vu que l'or j'en ai en masse et je m'en sers quasi pas. Donc, les golden, ça permet vraiment de transférer hyper rapidement ce qui se passe. Bon, il y a d'autres trucs qui sont plus rapides, mais pour l'instant, je me fais pas trop dans l'overkill. Donc ici, on a quand même une bonne petite production. Allez, une bonne petite production de viande. On peut le voir juste en descendant. D'ailleurs, maintenant, je me nourris plus que de steak. Et au niveau des designs des salles principales, donc au milieu on aura l'ascenseur. Donc l'ascenseur qui se trouvera ici pour cet étage, vu qu'on est à la couche 6 normalement ici. Ouais, on est bien à la couche 6, donc on est vraiment à une couche très profonde. Et à chaque étage on aura un ascenseur. Au niveau des étages, je vais faire 6 de hauteur à chaque fois. Donc ici c'est déjà une salle avec 6 de hauteur. Et je pense que je vais garder le design où on voit à travers les vitres. Comme ça, imaginons on sera à cet étage-ci, on regarde en dessous, on voit vraiment tout en bas, enfin si on arrive à voir.
On voit vraiment tout en bas encore la pièce. Je trouve que ce sera pas trop mal. Au niveau du sol, bah, j'utilise des laboratory blocks. Excusez-moi, je suis fatigué. Et au niveau ici, c'est vraiment de la cobblestone que j'utilise chisel dessus. Et pour les murs, bah, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la woolen clay. C'est un truc assez agréable à voir et je trouve que ça se marie bien les trois ensemble. Donc je vais regarder déjà à combien de temps d'épisode on est et si ça n'a pas encore buggé, si pas, bah, vous n'aurez pas de vidéo mercredi. Si vous en avez une, bah, c'est que ça a bien fonctionné et que j'ai pas ragé. Et re tout le monde, donc je lag un petit peu parce qu'OBS, je sais pas, il pète légèrement un câble. Mais bon, ce n'est pas grave. Oula, c'est même plus qu'un petit peu. Donc j'ai déjà pas mal taffé, je ne bouge plus, je m'en excuse. Mais OBS, il bug à mort, je sais pas vraiment ce qui se passe. Donc je vais vous laisser. Ces temps-ci, je sais que je suis pas très présent sur YouTube. Donc c'est dû premièrement à l'école qui m'a juste pompé à fond. Je vais juste vous montrer ce que j'ai terminé s'il veut bien vous le montrer. Voilà. Donc j'ai mis tous les ascenseurs jusqu'en haut. Désolé pour les lags, je suis vraiment, mais vraiment désolé. Je sais vraiment pas ce qui se passe. C'est depuis le temps que j'ai relancé OBS, mais qui bug, je sais pas. Bah, j'essaierai de trouver une solution et forcément l'école m'a trop pompé les nerfs et j'ai eu un petit ras-le-bol de tout. Mais ici je suis revenu, bon c'est le mois de juillet, je suis vraiment pas souvent là. Aussi un petit détail, j'ai changé ici, ça fait nettement plus classe comme ça je trouve. Quand on voit juste ces blocs-là, c'est beaucoup mieux. Désolé, petit truc à part. Et on vous se retrouve bientôt. J'insiste sur le bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous!